Salut tout le monde, c'est Miros le cracheur de feu. Ouh, ça lag. Ça lag beaucoup. Hop, c'est bon, ça lag plus. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de... J'allais dire l'épopée Sonic Adventure 2. Non, c'est pas ça. Spyro la trilogie, voilà. Si je commence à oublier le nom de mes émissions, on va pas s'en sortir. Donc dans l'épisode précédent, on était arrivé au monde des... Des pacifiques qui ne sont pas si pacifiques que ça. Et donc, cette fois-ci, on va se faire Dry Canyon. Donc, on aura peut-être le temps de faire un autre niveau. Hein. Logiquement, oui. Faut voir combien de temps je mets. Alors là, je crois qu'il y a un gros pabot. En effet. Il y a assez chaud à choper, il me semble, lui. La dernière fois, j'ai eu assez... de mal. Merde, j'étais pas loin. C'est moi, ils ont des fusils à pompe, les mecs. Enfin, pas des fusils à pompe, mais des fusils, quoi. Tiens, biatch. Ah, enfoiré. Toi, tu m'attaques comme ça, toi, en pleine cinématique. Tiens, oh merde. Homing attack. Mais homing attack. L'enflure. Ok, alors par contre, on a loupé des trucs. Touk. Touk. Raté. Ok, bon là je suis juste un peu passé à côté, mais c'est pas grave, on me le compte quand même. Merde. Ok, génial, là je me fail sur fail. Hop. Vas-y Sparks, bouffe le papillon. Hop. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup Sparks bleu, mais au final Sparks jaune est beaucoup mieux. Et beaucoup plus rassurant d'ailleurs. Est-ce que j'ai oublié quelque chose là-bas? Je ne crois pas. Non, do a barrel wall. Voilà, il met un petit peu de temps à le faire, le barrel wall. Hop. Hop. Voilà. Alors, toi, t'es moche. Donc, je te casse ta tronche. Conan, le barbare. Merci de m'avoir libéré. Non, c'était pas Conan le barbare. Il avait un petit peu une voix de... Une voix comme ça, quoi. Alors. Toi, t'es moche. Tu pues. Tu sens la morue. Let's go. Fail. Hop. Si je commence à atterrir à côté de l'endroit où je dois aller, on va pas s'en sortir, les gens. Hein. Wouh. Doucement, doucement. Allez, là-bas. Les cactus, ça sert à rien de les cramer. On va rentrer dans cette petite grotte. La grotte à pédobert. Oh! T'es un fou, toi! Je vais me balancer un vautour. T'es pris pour qui? Pour Chuck Norris? Je sais pas. T'as mis. Voilà. Ils ont bien du mal. Hein. Alors. Tiens, dégage, toi. Tiens. J'aime pas les vautours. Ils sont moches. Alors, on va faire le tour avant tout. Wow. On va se calmer là, hein, les volatiles. Putain, il y a des ennemis partout là. Boum. Non. Ouh. Ouh. Vous me voyez dans le vide là. C'est pour ça que j'ai gueulé comme un kéké d'ailleurs. Aïe. Non, on peut pas. On va parler, on va sauver ce petit dragon là, je sais pas comment il s'appelle. Comment tu t'appelles, Jean-Claude? Ivor. Oh le nom. C'est toi Spyro? Tu es ce jeune dragon dont j'ai tant entendu parler. Lorsque tu n'étais encore qu'un petit cracheur de fumerole, nous savions... Quoi donc? Je ne me souviens plus. Il y a à peine bugué Spyro. Quoi donc? Alors, c'est assez psychédélique tout ce que je viens de faire là. What the? Oh yeah, deux en un. Deux en un. Voilà, c'est tout. Deux en un. Hein, je vais fermer ma gueule moi. Pouette. Ok, nous sommes en haut, mes amis. Hop. Donc on va prendre les joyaux, hein. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Il n'y a rien. Depuis tout à l'heure, je saute comme un con. Hein. Une vie. C'est offert. Très gentiment d'ailleurs. Hop. Bon, ça, on ira là-bas quand on aura la clé.
Faut que je pense qu'il y a une clé d'ailleurs. Parce que sinon... Chez nous, on n'est pas dans la merde, quoi. Oh! Youhou! C'est la fête. Feu d'artifice 14 juillet. Hey, y a beaucoup de joyaux dans ce niveau. Feu d'artifice 14 juillet. C'est moi, c'était un violet. Ah non, c'était un rouge. Parce que les violets... Wow, 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 wow. Tiens, il y en a un autre violet, d'ailleurs. Bon, bah, on va passer par là. Hein. Encore une vie. Eh bien, on va faire un stock ici. Hop, un violet. Un violet, ça vaut 25. Hein, donc, c'est pas... C'est clairement pas négligeable. Bah, je sais plus parler. Mais... Touk, touk. Alors lui, il va me tirer dessus, ce petit con. Hein. Wouh! Raté. Voilà. Là, je t'ai eu, biatch. Ouais, ici, je me souviens que j'avais bien galéré à y aller la première fois. Voilà. Alors. Non, c'est pas ici. Ok, donc on va redescendre. Hein. Là, on est au début du niveau. Pour info. Bouffe la deuxième. Voilà. Le deuxième. C'est bien, Sparktouille. C'est bien, c'est bien. Alors, on va passer par là, puisqu'on n'y est pas allé. Pour l'instant. Hop. Voilà. Hop. Putain, ils sont riches. 400 dans ce niveau. 400, 500, je sais pas. Ça fait beaucoup. On va être riches, les gens. Donc, ici, il y a un dragon. Hop. Alors, j'ai oublié un joyau là-bas, ça tombe bien que je revienne. Touk. Et raté. Et. Bah, allez, monte. Hop. Là, t'es obligé de le toucher, quoi. Sparks, tu peux pas m'aider, sérieux. Let's go. Tu as sauvé Boris. Dry Canyon récompense ceux qui savent voler. Tu es bien fort en vol. Hein, Spiro? J'ai ça dans la peau. J'aime bien. Alors, ouais, voilà, c'est ce passage-là que j'avais. J'en avais chié à le trouver, je savais pas comment on faisait pour aller là. Au final, c'est bidon, quoi. Tiens, crève, toi, tu me fais chier. C'est moche en plus. Alors, là. Quoi, c'est tout? Quoi? C'est tout? Attends. Je suis sûr qu'il y a une couille dans le pâté, là. Je m'en doutais. C'était obligé. Ok. Maximos et Minimos. Superbe vol, Spiro. J'ai cru que je n'arriverais pas à me débarrasser de ces vilains vautours. Ils sont assez repoussants, mais grillés à la flamme avec une petite pincée de sel, ils sont délicieux. D'accord. Bah, j'en tiendrai compte, hein, écoute. Et donc on prend la clé, hop. Donc la petite clé qui nous sera fort bien utile, mes amis. Pour le petit coffre qu'on a laissé là-bas, on peut pas remonter, donc on va devoir faire le tour. What? Aïe. Allez, c'est parti. Non, c'est pas là. Putain, j'ai failli pas sauter. Touk. Dry Canyon récompense ceux qui savent voler. Donc si t'as pas d'aile, eh ben t'es dans la merde. Wouhou! Putain, d'où barrel wall? Non, t'as pas fait de barrel wall alors que j'appuie sur la touche. Pépi va pas être content. Hop! Tac, tac, tac. Ok, let's go, biatch. Tout d'abord, est-ce qu'on peut monter là-haut? Je ne pense pas. Non, de toute évidence. Ok, let's go! Raté. Raté. C'est complètement merdique. Parce que surtout que c'est pas là qu'il faut sauter. Donc là, je passe pour un con, hein, une fois de plus. Touk. Descends. Hop, monte. Descends, monte, monte. Oh, yo! Oh, ça passe, yes. Ça passe ou ça casse là. Hein. Alors, quelques petits lags. Merde. Fail. Ne croyez pas sur la bonne machine. On va pas t'ouvrir tout de suite, toi. On va d'abord ouvrir tes pattes.
En espérant que j'ai rien loupé, quoi. Ok, donc tu contiens au... Non. Allez, 1,25, je dirais. Ou alors, ouais. Ou 25. Et on en a 400. Let's go. 400 sur 400. Donc, hop, on peut s'en aller, mes petits amis. Et on va explorer le prochain niveau. Qui sera... Je n'en sais rien. Ah oui, je sais. Enfin, je pense savoir. Ah, il va être hard à faire ce niveau-là. Enfin, non, il n'est pas difficile, mais à faire à 100%. Ok, donc Dry Canyon, c'est fait. Tiens, toi, meurs. De toute façon, t'étais moche, hein. Peut-être je dis ça, mais les gens, ils vont croire que je tue tous les moches que je croise. Non, 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 non. Manger un petit bout de ma tartine, moi. Ok, Cliff Town. C'est parti. Ça, c'est bon, Nutella. Alors, ici, le gros truc de sadique. Alors, est-ce qu'on peut... Je sais qu'il y en a derrière, hein, mais d'ici, je pense pas qu'on puisse les avoir. Pareil de l'autre côté, logiquement. Ouais, il est sympa ce niveau. Hein. Enfin, sympa sans plus, quoi. Tiens, Big Mama. Tiens, ton gosse, je le tue aussi. Ah oui, c'est vrai que dans les chaudrons, il y en a aussi. Des doyaux. Donc le plus important, hein, ce sont les dragons, mais les joyaux sont importants aussi. De toute façon, si jamais, s'il m'arrive de ne pas trouver tous les joyaux d'un niveau, et ben juste après, j'y repars en off pour essayer de finir. Hein. C'est comme ça que j'avais fait pour Town Square, je crois que c'était ça le nom. Ouais, possible. Comme ça que j'avais fait pour Town Square, et donc à l'épisode d'après, ben, j'avais tous mes joyaux. Donc on va continuer à avancer. Tiens, tiens, voilà. Pas les malins, eux. Non, mais ils se sont pris pour qui? Oh non, il y a un voleur. Putain, ouais, c'est vrai. Il est chiant, lui. Oh putain. Gaga. Merde. Voilà. Déjà, si je commence à me fail. Hop. Vas-y. Spyro, le roi du drift. Cousin, t'as vu? Hop. Ah merde! Ah, ce virage de fou qu'il a pris. Lui, il prend les virages en angle droit, hein. Mais putain! Tant bien, demain j'ai un DS de maths. Enfin, même si c'est pas sur les angles droits, c'est sur les vecteurs. Oh, fais chier. Allez! Ah putain! Il est chiant, lui. Oh yes! Je savais pas qu'en lui fonçant dedans ça marchait. T'as pu parler, mais. Hop, donc on a encore un E9 et on va sauver ce dragon. Alvor. Comment un dragon peut-il combattre une armure en métal? Souviens-toi, Spyro, les flammes sont impuissantes contre du métal, mais tes cornes devraient en venir à bout. Oui, bah ça c'est pas nouveau, mec. Alors, maintenant, on va rouler notre boss, n'est-ce pas? Non. Hop. Hop. Alors, est-ce que je peux l'allumer d'ici, ça? Merde. Ah. Hiya! Non. C'est officiel, on ne peut pas. Wata. 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 Ok. That's all we're done. Oh, ce soir, il y a Koh-Lanta. Je pense à 3000 trucs en même temps, hein. Tac. Alors, 14 vies. Je vais essayer de vous proposer ça du vendredi soir, mais ça va être assez hard entre le rendering et le upload. C'est pour ça que je veux pas faire des vidéos trop longues à chaque fois. 20 minutes, c'est parfait pour moi. Hein.
20 minutes. Ça me permet de faire un upload rapide et un rendering, bon, qui l'est un peu moins, mais c'est, il est pas mal quand même, le rendering. Hop, merci pour les 12 petits joyaux que tu m'as offert, toi. Tac. Tiens, dégage. Hop, donc là, elle va m'envoyer ces gosses, là. Aïe. Non ! I slap you, bitch ! Elle m'a fait une... Elle m'a foutu une baffe. Elle s'est prise pour qui, elle ? Waouh, oh, même ma mère, elle me fout pas des baffes. Alors, donc ça, je sais comment le péter. C'est avec la petite fusée, là, de tout à l'heure. Coucou, vous ! Garde-moi ça, la ménagère du dimanche. Hop, hop. Ok, donc encore un petit dragon. D'abord, oula, j'ai failli aller dans la soupe. Imaginez du pâté de dragon. Alors, hop. Vas-y, monte. Cook. Et sauvons Enzo. Drôle de nom pour un dragon. Hé, hey, qu'y a-t-il de l'autre côté de la rivière ? Tu n'as qu'à aller y faire un petit tour. Bah oui, voyons, ça paraît tellement évident. Non mais attends, tu m'as pris pour qui, là? Je suis pas un dragon de compétition, moi. Bien sûr que si. Hop, donc déjà, on va s'occuper de ça, hein. Et de ça. Parce que mine de rien, on les a loupés, ces petits cons. Alors ce niveau-là, il est assez long à faire, donc j'ai peut-être pas fait le bon choix. Enfin, à partir de maintenant, tous les niveaux seront plus ou moins longs. Alors, on va prendre le tourbillon. Hop, sauf que là, on va descendre. Tac, 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 tac. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, la fusée, elle nous a permis d'ouvrir ce truc. Ce coffre, je sais pas trop ce que c'est. Et donc maintenant, let's go! I did it. Wow, 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 wow. Doucement, toi. Doucement. Alors, le désert s'étend devant nous. D'ailleurs, vous vous demandez peut-être si on peut y aller, et ben non. Voilà, c'était pareil sur le niveau colline de pierre, hein, où on avait aussi une zone comme ça un peu libre, enfin plus ou moins quoi, une zone à moitié en dehors du niveau quoi. Ah non, c'est dans le niveau, mais pff, bref, vous m'avez compris, hein. Alors, n'empêche, c'est une petite ville bien sympathique, même si les habitants ne sont pas sympathiques. Hop. Donc en fait, aujourd'hui, vendredi, je devais vous proposer, normalement, une vidéo annonce sur Minecraft. Bon, elle a encore bugué, c'était la deuxième fois que j'essayais. Donc, ben, en espérant que la troisième sera la bonne, hein, mes chers amis. Donc maintenant, on va libérer cette biloute. Marco. Tu as atteint le point le plus élevé de Clifftown. Tu peux te rendre n'importe où à partir d'ici. Si j'étais toi, je prendrais ce tourbillon-là. Monsieur, il y a erreur. Je crois que la fin du niveau est plus élevée que ça. Alors, déjà, on va aller tout là-bas. Brut. Hop, voilà. Donc je vous avais dit, hein, que... Oh, un 25. Pas mal, pas mal. Je vous avais dit qu'il y avait quelque chose ici. Hop, on remonte dans le tourbillon. Alors, on va peut-être réussir à les tenir, hein, au final, les 20 minutes, là. Wow, fail. Magnifique fail de ma part. Enfin, de toute façon, vous avez l'habitude, hein. Sauf si vous venez d'arriver sur la chaîne... Dans ce cas-là, vous n'avez pas encore l'habitude, mais ne vous inquiétez pas, ça vient vite, l'habitude. Alors, on va aller là, et même que j'ai... J'allais dire, j'ai failli me fail, bah je me suis fail. Wow, je t'ai vu, toi, en bas. Pout. Comment j'ai pu te louper tout à l'heure? T'es mal caché, en plus. Je suis un noob, des fois. Ok... Alors, juste, est-ce qu'on peut... Non, vaut mieux pas, je crois. Donc, hop, descendons.
Tac, ici. Hop. 10 et 10. Ok. Donc, il nous manque combien? Il nous manque 15 joyaux. Ah! Voilà qui est gênant. Voilà qui est très très gênant. Il nous manque 15 joyaux, ce qui représente une assez grosse somme. Bah, voilà, ils sont là. Faites comme si j'avais rien dit, d'accord, hein. Et donc, on en a maintenant 400 et on peut repartir. Ouais, si je prenais le tourbillon, ça irait encore plus vite, tu vois. Et donc, on a réussi à tenir nos 20 minutes, les amis, avec deux niveaux. Donc, comme vous pouvez le constater, les niveaux sont de plus en plus longs. Parce qu'on a de plus en plus de joyaux, donc... Enfin, c'est pas que les niveaux sont de plus en plus longs, hein, c'est qu'il y a de plus en plus de joyaux. Tiens, dégage, toi. Ils se sont pris pour qui, m'attaquer comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller spammer ces petits gars, là, pendant que je fais mes au revoir, pour tenter de récupérer une petite vie. Ok. Donc, les gens, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. En espérant que celui-ci vous a plu. Pouette pouette. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, rien. J'ai beaucoup pris de dégâts dans cet épisode. Je sais pas trop pourquoi. Bon, j'étais peut-être pas bien concentré. Donc, dans le prochain épisode, ça se dit pas comme ça, hein, bien entendu. Tiens, dégage, toi, me montre pas ton cul. Tac. Voilà. Oh, une vie. Ben, c'est bien gentil, ça, merci. Dans le prochain épisode, on ira donc au paradis. Non, on ira dans la caverne de glace, un truc comme ça. Je sais plus c'est quoi le nom exact. Toi, tu t'es encore caché dans ta tente. Il campeur. Le mec, il campe dans sa tente. Vous avez compris la blague? Ah, le Dr. Shemp. Donc ça, ça doit être le boss. Je suis pas sûr. Il dit sûrement encore une connerie. Donc la caverne de glace est probablement le boss. Ou le vol de nuit. Dans ce cas-là, on va bien en chier. Je crois que c'est celui-là, d'ailleurs, que j'ai jamais réussi à finir. Le vol de nuit. Eh ben, tant pis. Toi, t'es encore là, mais tu sers strictement à rien entre nous. Tiens, merci, c'est gentil. Donc, il n'y a pas assez d'ennemis ici pour que je me fasse une vie. C'est génial. Et merde. Bon, bah, je vais en perdre une. Oh, fuck. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, bah, c'est la mort numéro 1. De toute façon, je vais récupérer ma vie. Là, hop. La mort numéro 1 qui passera totalement inaperçue puisqu'on a le même compteur de vie. Dégage, toi. Et toi aussi, dégage, parce que je sens bien que tu vas me tirer dessus, toi. Mes petits amis, ben, on se dit au revoir et on se retrouve dans l'épisode prochain, donc qui sera l'épisode numéro combien, numéro, alors là on est au 4, donc le prochain ce sera le 5, je savais même plus à quel épisode on en était, c'est ça qui est bon. Oh, j'ai fait un drôle de truc sur le canon. Mais qu'est-ce qu'ils... ils sont cons, eux. Ils se font la guerre entre eux alors qu'ils sont censés être potes. Donc, à bientôt les gens. Et prenez soin de vous. Bye bye.